Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et ce matin, je vous propose de venir dans mon bullet journal avec moi pendant que je prépare ma journée. Donc là, j'ai terminé ma routine du matin, j'ai fait café, lecture, tous ces trucs-là. Je me suis habillée, comme vous pouvez le constater. Il est dans les 9h30 par là, et c'est le début de ma journée de travail. Et donc, la première chose que je fais au début de chaque journée de travail, c'est d'ouvrir mon bullet journal et de rentrer toutes ces choses de la journée. Et donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Passons en vue au-dessus du bureau et on va installer mon bullet journal ensemble. Alors, j'ai avec moi la petite papeterie que je me suis mise de côté pour ce mois-ci, le mois d'avril qui a pour thème les fleurs de cerisier et le printemps. Et donc j'ai les petits stylos, j'ai le plateau avec les tampons et j'ai les planches de stickers. Alors chaque semaine, en fait j'ai toujours une page par journée, ça change pas. Et par contre d'une semaine à l'autre, je change des fois un petit peu la mise en page, la manière dont j'affiche le titre, etc. Ça va dépendre du temps que j'ai aussi. Alors il n'y a jamais des décos de fou, hein, c'est très rare par exemple que je fasse des dessins sur les pages quotidiennes parce que j'ai pas vraiment le temps pour être honnête. Mais ça m'arrive assez régulièrement d'utiliser de la papeterie créative, d'utiliser des tampons comme vous l'avez vu, d'utiliser des stickers comme vous allez le voir, d'utiliser des feutres colorés, des choses comme ça. Parce que ça permet de rendre la page jolie à moindre coût en termes de temps. C'est pour ça que j'aime autant la papeterie créative. Parce que la papeterie créative permet justement de rendre une page plus jolie sans avoir besoin ni de forcément beaucoup de temps, ni de forcément beaucoup de compétences de dessin ou de choses comme ça. Donc la première chose que je mets en place, c'est mon petit carré, mon petit rectangle note de bord, où je mets les horaires de réveil et de coucher, les horaires de création sur lesquels je marque aussi ce que j'ai créé. Le mouvement, ça va être l'activité physique ou sportive que je fais. Donc de la course, du yoga, de la marche en ville, ce genre de choses. Ça, c'est soin du corps. Donc c'est la manière dont je prends soin de mon corps. Que ce soit, par exemple, prendre un bain, ce genre de choses. Ou parce que je me suis fait un bon plat de légumes ou je me suis sentie bien après, ce genre de truc. Donc, vraiment me focaliser sur la manière dont je me fais du bien physiquement et je fais du bien à ma santé physique. Plutôt que de me focaliser sur des choses comme du régime ou quoi, c'est pas du tout le but, je suis pas au régime. Et donc là, ces deux-là, ça va être mon émotion du jour et mon intention du jour. Par exemple, ce matin, je me sens alerte et créative, heureusement, parce que c'est une journée de création de contenu, figurez-vous. Et mon intention, c'est je prends le temps de créer des contenus authentiques. Parce qu'aujourd'hui, majeure partie de ma journée va être se constituer de création de contenu. Alors évidemment, rien de tout ceci n'est indispensable. C'est juste que moi, je trouve ça joli. Et alors, pourquoi est-ce que je mets mes notes de bord tous les jours de la semaine comme ça, même les jours où je travaille pas et où j'ai pas de liste de tâches particulière? C'est à la suite de la lecture du livre de Fumio Sasaki qui s'appelle « Ces habitudes qui font grandir notre talent » où il parle d'avoir un journal de bord de justement nos habitudes les plus quotidiennes pour pouvoir comprendre en fait quand est-ce qu'on a de l'énergie, quand est-ce qu'on n'a pas d'énergie, pourquoi, comment ça se fait, pour arriver à mieux se comprendre, pour arriver à instaurer des habitudes qui fonctionnent pour nous dans notre mode de vie. Donc du coup, tous les jours, j'ai ces petites notes de bord et je garde mes bullet journals quand ils sont terminés. Et ça me permet de voir par la suite, j'en profitais pour vous montrer donc la deuxième chose que je fais, à savoir remplir les trackers là. Ces trackers là aussi, le but c'est pas de, par exemple là les habitudes, c'est pas que tout soit mis avec des points noirs, c'est pas un but de défi en fait, d'avoir des chaînes d'habitude que je continue, c'est pas du tout ça l'objectif, c'est exactement le même objectif, mes notes de bord, à savoir d'avoir des données en fait quelque part, pour comprendre un petit peu par rapport aux phases de la lune, par rapport à mes cycles biologiques, quelles habitudes j'ai tendance à faire quand, comment est mon énergie en fonction du mois, pour essayer de comprendre mes cycles en fait, comprendre mes cycles, comprendre mon fonctionnement,
Là, en ce moment, je suis au pic de mon cycle. Et je suis aussi à mon pic d'énergie. Et en fait, je fais ça depuis août 2020. Et bah, ça force chaque mois de remplir ce genre de truc et de constater les évolutions de mes énergies, que j'ai appris à mieux me connaître d'un point de vue physique et organique en fait, parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas fait pour avoir des rendements constants, on est des êtres humains, on est cyclique, on est organique, on a des fluctuations d'énergie, on n'est pas constant, hein, ça fait comme ça là. Et donc du coup c'est intéressant de, en tant qu'être humain, pour arriver à répondre à nos propres besoins, et pour arriver à ajuster aussi notre organisation, notre gestion du temps, des pauses, la gestion des différentes tâches en fonction de l'énergie que ça prend, etc. Donc aussi bien pour prendre soin de soi que pour avoir une organisation adaptée qui permette de mener nos projets à bien, je trouve que c'est hyper important de se connaître. Et donc tous ces outils-là, c'est des outils qui servent à me connaître. C'est pas des outils qui servent à me forcer à aller toujours plus loin, voyez ce que je veux dire. Alors, donc là on est 13... est-ce que j'ai fait ça? Je crois pas. Activité physique, oui, j'ai fait du yoga hier. Création artistique, oui, j'ai écrit hier. J'ai pas pris ma petite tisane et j'ai pas fait la gratitude. Et ce matin, ben, on remplira ça demain. Voilà, donc je m'efforce de remplir ça tous les jours. Des fois, j'y pense pas et je le remplis après coup. Et justement, je m'aide, quand je le remplis à la fin de la semaine, je m'aide de ce que j'ai marqué chaque jour dans les notes de bord, pour voir un peu mon état émotionnel, mon état d'énergie, mes intentions, etc. Et puis alors parfois, quand il y a des pics qui sont pas naturels, là pour l'instant c'est assez classique, c'est-à-dire que l'énergie elle est basse quand je suis la semaine de mes règles, et puis après j'ai un pic d'énergie, puis là ça va sûrement redescendre comme ça. Mais des fois je vais avoir un pic ou une chute inhabituelle, et c'est là que c'est intéressant d'aller voir les notes de bord de cette date-là, et puis ce que j'aurais marqué comme tâche, ce que j'aurais marqué comme journal sur ce jour-là, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Et pareil, quand je vois qu'il y a des jours où j'ai vachement plus fait d'habitude que d'autres, je peux essayer de venir regarder qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que j'arrive beaucoup mieux à faire mes habitudes. C'est vraiment quelque chose que j'aborde avec expérimentation, avec curiosité envers moi-même, avec bienveillance, pour arriver à mieux me connaître, et pas du tout un outil de pression ni de performance. Donc, pour terminer, maintenant que ça c'est fait, eh bien je vais remplir mes tâches du jour, et en fait j'ai... Alors évidemment, je suis en train de filmer avec le téléphone, donc je peux pas vous montrer, mais j'ai mon Google Agenda avec des plages de temps que je me suis mis. En gros, on fera une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais je me suis mis des plages de temps, des blocs de temps pour différents types d'activités. Mes missions de communication, les meetings évidemment, les réunions, mais aussi les plages de pause, pause midi, et les plages de création. Là par exemple, je suis sur une plage de tournage de vidéos jusqu'à 10h ce matin. Donc j'ai utilisé ça, et également mon Notion et ma page hebdomadaire, que je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a des trucs privés dessus, pour voir ce que j'ai comme tâches à faire aujourd'hui, et je vais remplir ma liste de tâches. Alors là, de mémoire, je me rappelle pas de tout, mais je vais vous en montrer une. Donc ce que je vais faire, c'est que la tâche la plus importante de la journée, je la mets de la même couleur que les notes de bord, là. Et en général, si je peux, c'est ce que je fais dès le début de la journée, là, c'est ce que je suis en train de faire. Si j'ai des réunions, je vais les noter avec un trait. Évidemment, je précise ce que c'est. Là, je le fais pas parce que je suis à la caméra et que c'est privé. En général, je précise ce que c'est comme réunion. Et ensuite, avec des ronds comme ça, je vais noter les tâches que j'ai à faire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une journée création de contenu. Voilà. Et j'aime bien décorer pour terminer avec des stickers. Alors, je le fais pas tous les jours comme ça parce qu'il y a des jours où j'ai pas le temps. Et les jours où j'ai pas le temps, eh bien... j'ai juste marqué la date, mes notes de bord, ça c'est hyper important. Et puis ensuite, je vais noter les tâches vite fait, parce que, ben voilà, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et le bullet journal, c'est aussi un outil d'organisation, c'est pas seulement un outil créatif. Mais autant que faire se peut, la plupart des jours, je me prends 10-15 minutes pour installer ça correctement, avec mon petit thé. Là, je ne l'ai pas allumé pour la vidéo, mais souvent, je m'allume une petite bougie. Que ce soit un moment, en fait, que je profite également du processus, que ce soit pas seulement un moment de je m'organise, machin, tout ça, mais que ce soit un moment que je prenne plaisir à faire, en fait. Et donc là, je vais pas le faire maintenant, mais en fin de journée, la partie basse de la page, je m'en sers avec une autre couleur, avec du marron comme ça,
pour noter 2-3 éléments dont j'ai envie de me souvenir dans la journée. Ça peut être un apprentissage, j'ai compris telle et telle chose sur moi-même, sur quelqu'un d'autre, sur mon business, sur mon art, etc. Quand j'ai eu une idée toute particulière, je vais résumer l'idée. Quand je commence ou que je termine quelque chose de culturel, donc un livre, une série, etc., je vais venir marquer là commencer ou terminer tel bouquin, telle série. Pareil, c'est un peu un espèce de log, je sais pas comment on dit ça en français, un espèce de d'enregistrement quelque part de ce qui s'est passé dans ce quotidien-là, ce jour-là. Et ça, c'est plus pour le côté souvenir. Déjà pour le côté, comme je vous disais, expérimentation, curiosité, est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial ce jour-là? Je peux aussi noter quand j'ai eu des pics émotionnels particuliers, positifs ou négatifs, et je vais expliquer en une phrase pourquoi. Et donc du coup, ça me permet d'avoir des informations pour mieux comprendre cette page-là. Et au-delà de ça, c'est aussi ce qui me permet d'avoir un souvenir, puisque le but de ce bullet journal, enfin du bullet journal pour moi, c'est pas seulement un bullet journal en réalité, c'est aussi un journal de bord quelque part de ma vie. Et ça me permet de, lorsque je vais ressortir mes vieux bullet journal, de me souvenir de certains moments de cette année que je suis en train de vivre. Voilà pour ce que je fais dans mon bullet journal le matin. J'ai une réunion dans 6 minutes, donc il va falloir que je vous laisse. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !